avons réuni les professionnels de la santé du secteur privé. C'est une rencontre avec les laboratoires Frater Azès afin de présenter bien sûr notre laboratoire, notre savoir-faire, mais aussi donner de l'importance à tous les efforts que le secteur privé fournit pour soutenir le secteur de la santé. Alors, vous faire une présentation succincte des laboratoires Frater Azès qui viennent de fêter 30 ans, 30 ans d'innovation, 30 ans de recherche et 30 ans de disponibilité de produits pharmaceutiques pour le patient. Nous sommes là pour la rencontre avec les EHP, c'est-à-dire les établissements hospitaliers privés, les EPH. C'est une première qu'on a effectuée avec les laboratoires Frater Azès. En fait, elle est là dans le but, nous avons fait cet événement dans le but de déjà renforcer notre collaboration, mais aussi faire connaître et partager notre savoir-faire, le savoir-faire des laboratoires Frater Azès avec les différentes structures privées et hospitalières. Sont basés au niveau de Frater Azès sur la confiance, la rigueur et la propreté. Nous sommes heureux d'être présents ici dans le premier événement de Frater, une structure ou si vous voulez une usine, une boîte qui fait des produits très intéressants. Actuellement, nous consommons presque 80% de sa gamme. Je pense qu'elle a à peu près 48 produits. Nous sommes satisfaits. On est ici présents dans la rencontre des établissements hospitaliers privés. Nous sommes heureux d'être ici dans cet événement et pour essayer un petit peu de connaître les produits Frater Azès qui sont disponibles et à la disposition des cliniques d'hémodialyse. Nous sommes très satisfaits de cette boîte qui nous a vraiment aidés, surtout pendant la période du Covid. Ils nous ont tous laissés tomber. C'est la seule boîte qui a répondu à notre demande. Personnellement, je préfère acheter dans une entreprise algérienne, je suis fière. Je suis vraiment, en tant qu'Algérienne, je suis fière. J'ai même des frissons quand je vois une entreprise comme ça évoluer.